Bonsoir. Vous allez me tuer avec vos conneries à la con là. Merci beaucoup Etiko, merci beaucoup Krix, merci beaucoup Miri pour les subs. Des poufous. Le voilà, le live a même pas commencé que paf, je me suis spam de notifs. Voilà, la meuf elle râle, ça y est. Il y a des gens qui sub, elle râle. Est-ce que le live? Merci Yao pour le sub. Est-ce que... Coucou Akut, coucou Yushu. Comment vous allez tout le monde? J'ai même pas eu le temps de faire pipi avec toutes ces bêtises là. J'étais en PLS en plus parce que comme j'ai changé ma... J'ai changé comment ça s'appelle mon adresse mail sur Twitch, et ben ça a réinitialisé ma clé de stream. Du coup, ben OBS voulait pas se lancer puisqu'il trouvait pas ma chaîne Twitch. Mmh. Ben écoute, merci beaucoup, Krix, pour le sub gift incroyable. Mais c'est une. Il pleut des subs. Vous allez me faire chialer, arrêtez ça, votre objectif, c'est ça. Incroyable. Eh bien écoute, ça va super, voilà, que d'émotions de vous voir tous là, en train de faire les foufous, mais grave. J'ai pas eu le temps trop de... J'ai reçu le mail aujourd'hui, voilà. J'ai reçu le mail aujourd'hui, j'ai galéré là pour accéder au truc, voilà. Je pensais pas que ça fonctionnerait ce soir, mais du coup faudra qu'on se pose genre mercredi matin. Faudra qu'on... Ah ouais, mais il y en a qui bossent, ou alors un soir, enfin bref, faudra qu'on prenne un soir pour se poser et réfléchir un petit peu à qu'est-ce que vous voulez en fait sur la chaîne en termes de d'émotes. Je... Blablabla, en termes d'émotes, pardon, j'ai bugué sur le dernier commentaire, je rebondis dessus. J'ai pas du tout regardé qu'est-ce qu'il y a. Pour l'instant, il y a le hi hi hi, ouais. C'est les émotes de Twitch, hein. J'ai clairement... Et voilà, qu'on voit ce que vous voulez, que je réfléchisse aussi aux récompenses de points de chaîne, tout ça, tout ça. D'ailleurs, Tico, faudra que... Normalement, il n'y a plus Wizbot assigné, là. Mais je crois qu'il ne peut plus faire grand-chose parce que... Et pareil, il a été déco à cause de la nouvelle clé de stream, donc à voir. Vous irez voir. Mais en tout cas, GG pour le train de la hype hein, que vous avez déclenché. Voilà, première seconde, première minute de ce premier live en tant qu'affilié. Et déjà, vous faites des folies, c'est incroyable. Ouais, hein, des émotes en termes de, en thème avec le délire du culte. Yep, yep, je pensais au badge aussi. Faudra réfléchir un petit peu. Oui, vous l'avez lancé avant le live. Alors attends, capture de jeu. Hop, est-ce que le jeu est détecté? Je n'ai pas l'impression. Ah, si. Voilà. Juste, hop. Tac. Donc. Oui, vous l'avez lancé avant le live. Vous êtes trop fort, voilà, vous êtes des fifous. Hein. Oui, Krigs, qu'est-ce qu'il y a? On lève le doigt, Krigs. Hein. Hop. T'as pas de soucis avec le bot, mais pareil. Il est où le rôle abonné sur Discord?
Ah, voyez ça avec le modo, s'il vous plaît. Pour l'instant, je n'ai pas les compétences pour. Voilà. Non, hein, pas brésilien. Attends, non. Top, 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 top. Ça commence bien. Non. Avort the mission. Avort the mission. Attendez. Attendez, attendez. Pas quitter là? De ma gueule? Oui. Je veux partir. Je suppose que ça veut dire partir. Allez. Hop, il n'y a plus de jeu. Il est où le jeu? Eh bien, écoute, j'ai cliqué là. Hein, donc, il doit y avoir des petites. Comment s'appelle? Comment on dit? Subtilité, voilà. Des petites subtilités entre le portugais et le brésilien. Bon, sinon, eh bien, oui, du coup, quand même, merci beaucoup à tous et à toutes hein, pour vos, de base de 1, vos follow hein, qui se sont du coup accumulés et tout, et qui ont fait que on arrivait, on a atteint le stade critique des 50. Hein. Du coup, aussi, merci à. Aussi, donc déjà, merci à vous et merci aussi à la belle famille là, qui a forcé là pour les derniers aussi. Voilà, à la belle maman qui va peut-être se mettre sur Twitch. Et au beau-frère aussi qui a lâché son follow. Et merci bah, en vrai de à tous et à toutes. C'est trop sympa. Et du coup, bah, de régaler comme ça en faisant pleuvoir les subs là dès la première seconde, voire avant. C'est vrai, la belle maman est là? Je la vois pas. Je l'ai pas dans. Je ne l'ai point en tout cas. En tout cas dans les utilisateurs du stream. Ah si, la Bub Van. Oui. Eh bien, coucou Nathalie. Donc voilà, j'annonce spécial Nathalie. Tu risques de découvrir une nouvelle Edwige. Voilà. J'ai la grosse pression en vrai, la pouf qui remonte. Peut-être être trop sage ce soir. Voilà, c'est la petite pression. Non, ouais. Tu risques de découvrir une facette un peu moins sage de ma personnalité. Un peu plus décomplexée, on va dire. Si on peut dire ça comme ça. Bref. Ouais, du coup, ben, merci à tous et à toutes là d'être revenus en force. Ça fait trop plaisir. Donc, du coup, pour de vrai, j'ai failli chialer là avec vos bêtises. Et du coup, ben, on va profiter de cette affiliation pour faire des folies, quoi. Donc voilà, pas grâce à vous, je suis obligée de tenir mes engagements et de faire un live 24 heures un jour dans l'année. Ah mais te sens pas obligée de partir, hein, Nathalie, t'inquiète pas, hein. Il n'y a pas de souci, tu peux rester si tu veux. Mais merci beaucoup d'être passé, en tout cas, des bisous, si jamais tu t'en vas. Bonne soirée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le petit live 24 heures, il faut que je réfléchisse aussi plus sérieusement au tournoi des viewers pour les petits giveaways, du coup, pour faire gagner des petites choses qu'on fait lors des mercredis créatifs. Oui, alors, ces tentatives de live, hein, parce que c'est pas dit que j'y arrive hein, pour le live 24 heures. J'y réfléchis déjà, genre à quel moment commencer le live. Je pense qu'il faudrait, c'est mieux de le commencer en fin de journée. Je pense que le plus dur, c'est la nuit à passer.
Et il faudra que je réfléchisse. Je pense que ça sera. Je pense qu'on partirait plus sur un live 24 heures, soit pendant les vacances de Pâques, soit pendant les grandes vacances pour être vraiment pépouze. Et essayer de voir aussi si j'ai pas des gens pour me tenir compagnie, qui viennent de temps en temps sur le live pour me. Pour me donner du courage. Voilà. Bon, sinon, ce soir, apparemment, il n'y a pas de jeu, paraît-il. Voilà. On va jouer à un jeu qui s'appelle There is no game, fortement recommandé par Ethico. Où en fait, je sais pas si on peut dire humour noir, mais en fait, les devs ont fait en sorte que le jeu ne veuille pas que tu joues au jeu. Voilà, il va tout faire pour te troller, te faire, enfin, faire en sorte que ton expérience se passe pas forcément bien. Hop. Ah, si vous pouvez lire ceci, alors quittez le programme. Voilà, c'est un jeu auquel donc du coup, enfin le jeu ne veut pas qu'on joue au jeu. Nous, on va forcer un peu on veut lui forcer la main. Donc ce n'est pas un jeu de Dromi Pixel. Il n'y a pas de jeu. Ne pas cliquer pour commencer, voilà. Coucou maman, comment tu vas? Donc, pas de jeu ici, option inutile. J'ose pas trop monter le son pour l'instant. J'ose pas trop monter le son. On verra ça, je pense, en jeu. Eh bien, écoute, ça va très très bien. En vrai, j'étais claquée ce soir et là, finalement, vous m'avez redonné du peps. Ça. Donc, voilà. Alors, mise en abîme, qu'est-ce qu'on a? Lorsque cette icône, ça me perturbe, c'est mal traduit, apparaît, quittez immédiatement le programme pour maximiser. Ok, d'accord. Ce jeu ne contient aucun système d'aide, donc inutile de cliquer sur l'icône ci-dessous. Ok. Je vous augmente juste bien le son parce que. Ça va niveau du son ou pas? Mise en abyme. Who's doing all this knocking? There's someone in here. Just a minute, please. Ah, where's my speech? Oh. Nice. I almost forgot the title. Ah, il est pas prêt là. Avec la petite incroyable avec la petite musique. Hello user. This is a program speaking. I've got some bad news. Oh. There's no game. The financial crisis, the apocalypse, blah blah blah, all of this. I hope you're not too disappointed. Un petit peu quand même, hein? You can still watch TV. Go outside, read a book. Yeah, there's no game. Just between you and me. Avoid asking for a refund if you can. You know, bien. My creator has got to eat and feed his 12 kids. And ah, oh, ça y est, ça lance la culpabilité et ça joue sur les sentiments. Well, when he finally finds one. Oh, careful! Is that ah. Thing going to hold? It's holding. Ah, ça a l'air. Ça a l'air trop petit tout ça là. You can quit. There's nothing to do here, really. Très bien, très bien. Donc le jeu auquel j'avais commencé à y jouer. Ok, très bien. Je ne toucherai pas au titre. Oh, mince alors. Oh! Trop bien. Et j'ai tout oublié par contre. Mais alors, mec!
Mec, j'arrive pas à lire en même temps que je suis le truc. Non, il a give up. Mais les pixels, ils sont mal collés, hein. Candy Saga. The legal department is making some big gestures over there. What you're doing is pointless. I'm not a game program. I'm just an ordinary screensaver. That's it. Bravo, user. I'm crapping. Merci beaucoup, maman. You've completely ruined my beautiful title. Well, if that's the way things are going to be, let's make something solid. Okay. Oula. There is no game. C'est pas compris. En fait, on a le... On veut jouer au jeu qui s'appelle There is no game. Et du coup, là, c'est le programme qui nous parle. Ils nous disent non, mais casse-toi, en fait, il n'y a pas de jeu. C'est justement, il n'y a pas de jeu. Je ne veux pas que tu joues à mon jeu. Enfin, il n'y a pas de jeu. Et donc là, il fait tout pour qu'on ne joue pas au jeu. Mais là, j'ai l'impression que... Stop tapping everywhere. It's annoying. I can't close the program myself. You have to quit. Okay, I get it. You want to play a game? All right. We're going to play... Oh, Rochambeau. Chifoumi, ok. We're gonna have a great time. Moi, je veux les ciseaux. With rock, paper, scissors. Rock breaks scissors. Paper covers rock. Ok. And scissors cut paper. Okay, très bien. Here we start. Here is my choice. Now it's your turn to choose a card. I win. What luck. Pardon. Attends. Pardon. Eh, il a triché, il a vu le scotch. My scissors. Are you... No. The safety airbag. L'airbag de sécurité, what the fuck. Attends. C'est quoi qu'il faut que je... Ah, il y a un truc là. Oh, suffocating. Please, don't touch that icon anymore. Are you trying to get rid of me or what? Digital. Exactement. Assassin numérique. Ah, je veux choper sa souris. Haha, on l'a eu. You've got to be kidding me. Look at what you've done. A brand new title. If you want to break things, go play Battle of Duty instead. Non. Oh. Ok, donc on a ça. Get out of here. It's private. This is backstage. You should not be here. Trop mieux, go. Ok. Go back to the title. Correction, my ex-title. Boy, you're so stubborn. You're a pro at taking things apart. But when ouais. It's time to leave, nobody's home. Pourquoi on partirait, mec? Was a little weird. Ok, donc on a récupéré un rouage. Qu'est-ce que... Quoi? Oui, je l'ai eu, du coup. Quand j'ai quitté direct, j'ai eu le succès.
Ah, c'est au niveau des cadenas? Attendez, on va revenir là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben. Et là. Just what do you Et think you're deux. doing, user? User. Oh bah, il a mis la clé sous le tapis. Ok, très bien, très bien. Alors, c'est un petit cœur. C'est pas un cœur là? Oui, non, ok. Oh! Je fais quoi de ça? Ah! What's that blue thing under the door? I don't understand what you're doing. Neither do you, I bet. Qu'est-ce que quoi? Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? You just knocked the key that's on my side onto the floor. Oui, ta gueule, j'ai pas vu que le drapeau était là. There we go. Ok, ok, merci de la remettre. Where's the key? No. Ton cul. Don't do that, user. Don't open. You're as stubborn as a mule. Ah, oh, mais c'est pas possible. Don't bother trying to open it. The lock is completely busted. It won't work. I'm telling you. Ok, il manque un petit rouage du coup. Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Especially when it goes too oh fast. Pardon. Ouh, bonsoir Vivis. J'ai pas du tout sursauté. Merci beaucoup pour l'abonnement. J'espère que tu vas bien. Alors attends, il a dit qu'il aimait pas. Stop navigating so fast. You're going to saturate my RAM. Ça bug, ça bug. Tu vas bien, Julius. Par contre, je vais avoir la nausée, là. Hein. See, it's useless. Like your neurones. Ah, faut tout refaire. Allez, joue. Je pense que des fois c'est un jeu de patience aussi. Ouais, il a dit en. Il a du mal. Oula, c'est moi, il y a eu un gros bug là. Oula. Je comprends pas ce que je dois faire. Oula. Ah! I warned you. Vite! You're stealing from my memory too. Oui. Oh, I don't like that.
Ah, moi si, hein. Allez, où? Damn it, there's nothing left I can use to help me. Too bad I have no choice. Let's go, let's go, let's go. Program loading. What bad luck. You were able to press the button. I'm very upset. No, the program is loading, and there's nothing I can do to stop it. You're good. You've beaten me. Say, it's taking a long time to load. The progress bar stopped moving. It even looks like it's moving backwards. There must be an error in the program. Oh yeah, it definitely crashed. I feel bad for you. Hey, don't touch my baby. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Okay, don't touch anything else and just stop already. Hands up. Oh, yeah. Don't touch anything else. Except the quick. You just never give up, do you? Non, jamais. The program is going to close due to an unexpected use error. Program closing. Oh! Whoa. This is your conscience speaking. You need to restart your machine. And this is not a fake operating system. I swear. And you should not open the prohibited folder for any reason. Oh bah tiens, quand je l'ai vu, j'avais trop envie de l'ouvrir. Ok, très bien. Oh, tu veux des noisettes? Ne pas secouer, comment je fais pour secouer? De l'eau plus un soleil égale. Ok. Personne d'identité, ok. There's an exclusive episode of Breaking Good on TV. And your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss it. Go. Ah! Trop de secousses. Ah, c'était ça. Ok. Ok. Oula. Plus 18. Pardon. Je m'attendais pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour du sale? Nous sommes sur le point d'ouvrir des documents plus 18, les enfants. D'ailleurs, j'ai lu, ça s'est bien passé ton... T'avais pas modéré un live 24 heures aussi? Bah, je sais pas, on est dans un... On a ouvert plein de dossiers, super privé, ultra privé, giga privé, 18 plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un soutif, là, que je vois. On est d'accord que je me fais pas strike, hein. Tu fais bien, Yushu, tu fais bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, une carte mère avec qui nous dit « Miss you de New York ». Ok. Oh, la carte mère, elle voyage. Port Jartel, très bien. Oh, la petite culotte de Tokyo, là. Comme par hasard. Alors, est-ce que... Je suis désolée. Comme par hasard, ils ont mis la culotte pour le Japon. Ah oh, est-ce que ça ne t'offusque pas? T'as bien raison, Yushu. Bon, donc on a la carte mère qui est coquine. Alors, vérité sur Apollo 11. Bonjour, ballon météo, le FBI. What the fuck?
Ah ! Vérité sur la mort de Kennedy. Bonjour, suite à un problème technique, le contenu de ce document a malheureusement été perdu. Désolé, le FBI. PS, le tireur était un... Un ballon météo ? C'est pour les voleurs de petites culottes, sûrement. Et coucou, Lippy, comment tu vas? Je t'ai loupé. Ah oui. Je t'ai loupé, ah oui. Du sel, ouais, on est prêt. Alors, vérité sur Roswell. C'est un problème technique, le contenu. Ok, très bien. C'est un ballon météo. Donc, tous les problèmes du monde. Ouh ! Sont liés à un. Greetings. You don't know me. Uh-huh. My voice isn't remotely similar to an existing program. I just wanted to say that these pictures are scandalous. I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. And they are not mine. It's for a friend. Ouais. Kate. Non, pas moi. Programme à la retraite. Aime les armes, les cerfs-volants et le numéro 69. Je comprends pourquoi. Déteste les bugs et les chèvres. Il est servi, là, quand même. Hein. Parce que, bon, au niveau bug, je suis assez haut level dans le milieu. Et chèvre, ben, écoute, j'habite entre deux chèvres, donc... Le CPU. Très bien. Qu'est-ce qu'il a, lui? Multicore. Visit now. Pardon, let's plug together. Vous avez vu les pardon les pubs qui passent. Zinana horloge. Le code administrateur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6. Y'a rien. Ouais, tu veux ta noisette. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un... J'ai pas trop lu ce que tu m'as dit, mec. Ah si, là. Hein. Alors, attendez. Il y a bien des nombres. Hein. Il est où, là, le nombre? C'est encore un truc où il faut que je sorte mes notes? Oh, merci Mama pour le renouvellement. Alors, là, j'ai pas l'impression qu'on ait trop des chiffres. Et là, on a 6, 8, 2. Very politely, of course. Après, est-ce qu'il y avait des trucs? Non. Et ça nous parle d'un ballon météo. Ça, j'aimerais bien le mettre à l'envers. Je pense qu'il y a un truc à faire encore avec les musiques. Casse-noisette, c'est pour casser la noisette, je pense. Alors, attendez. Il y a la pluie. Ah! Qu'est-ce
C'est que ça. C'est un décapsuleur. Faire les poubelles. J'ai eu un succès, faire les poubelles. Trop, trop gentil, maman. Merci beaucoup. T'avais 289 aussi, sinon? Ah, peut-être. Your conscience is going to count down from three to Alors, zero. At zero, you qu'est-ce will fall que quoi? into a deep sleep. Aucune balle disponible, ok. Three, two, Si j'oublie le code administrateur, alors zero. tapez dans l'ordre. L'intrus de ma carte d'identité, mon numéro favori, le numéro privé de Miss Tokyo. Ah, on n'a pas son numéro favori, je crois. Je vais devoir partir, désolé, J. Alors, attends. Le 8. Donc, on a. C'est le 8. Le 2, on l'a pas, je crois. Ah oui, c'est 69, pardon. Et du coup, ensuite, donc, on a le choix. C'était où le mot de Your passe conscience d'ailleurs? doesn't know what else to say. Où le mot de passe? J'ai tout oublié. Sais plus où est le mot de passe. Je suis There's teubée. an exclusive episode of Breaking Good on TV, and your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss it. Go. Non. Ah oui, c'est vrai. Oh! Alors, on a dit le 8, le 69, et alors là, on va voir. 6, 8, 2. Non. Donc c'est le 8, 69, et dans ce cas-là, c'est le 2, 8, 9. The user figured out my secret code. But what is he going to do with the system clock? I hope he doesn't break anything. Donc il... Ah! Et il faut qu'il pleuve. The restart button on your machine seems to be faulty. Your conscience advises you to hold your finger on it and never take it off. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Parce que sûr que les pubs, elles jouent, elles... The cat is hungry. Miaou. Miaou. Il a pété un Yes, plomb, your lui. conscience says you have a cat, and it's hungry. Alors non, parce qu'il y a les croquettes automatiques. Bien essayé, mec. Alors. Donc là, normalement.
Le haha, c'est pourquoi. Merci, Tico. Non, et qu'est-ce que je dois faire avec cette image? Comment combiner? J'ai envie de choper genre la poubelle et de... Parce que est-ce que je suis obligée de fermer l'image pour donc là il fait beau. Bon. Qu'est-ce que quoi? Oh, bah, c'est pas toi ma conscience, hein? Qu'est-ce que j'ai loupé? Ça, c'est ce que j'entends quand Lippy me voit jouer à LOL. J'entends shutdown. Coupe le jeu, coupe! Bah écoute. Lâche! J'ai dit. Le ballon météo. Il est où le ballon météo? Récupérer, je sais pas. Oula. Mettre à l'envers aussi. Bon. Ah oui, du coup, on l'avait là. Porte Jartel n'a rien à nous donner aussi. Non. New York non plus. Après, est-ce qu'il y en a d'autres aussi, sinon, qui pensent avoir des idées? Sinon. On a le Zinwhip qui est en lien. Find love and become a multi-core. Let's play. Ouais, donc ça, c'est un gros. C'est un méga dossier qui a été zippé là, à fond. M'a dit que le bouton, il était pété, pas choper le. Ouah, ça m'a fait peur. J'en sors de 15 jours de vacances, mais j'aurais pas dit non, on pourrait y retourner, hein. Non, mais de toute façon, j'ai déjà utilisé. Mais je vois pas. Hein. Déjà bloqué, c'est terrible. Il faut la pluie, il faut de l'eau. Voilà, on a le soleil. Il faut de l'eau. On l'a ici. Moi j'ai envie de prendre la corbeille en fait. Et ça, je pense qu'en fait, il faut péter la noisette. Pour avoir la. Ce sera la, ça deviendra la balle. Je pense. Mais par contre, pour choper la pluie.
Je pense que c'est pas anodin le cette histoire de plugin. Oui, si, j'ai tapé le mot de passe et du coup, ça nous a débloqué l'horloge. On était à 2h AM. On a fait tomber la barre du A pour le transformer en PM. Donc ça y est, on a le soleil. Du coup, là, il faut faire pousser le noisetier, je pense. Mais... Le mot de passe, ouais, elle a permis de mettre le soleil ici. Maintenant, on veut la pluie. Fond de la nature. Il y a des nuages après. J'ai pas l'impression parce que justement le truc c'est que voilà. Ça enlève en fait ces deux pistes différentes. Bon, Etico, je pense qu'il va falloir que tu nous débloques. Breaking Good. Déjà que j'ai pas vu le Breaking Bad, alors Breaking Good. J'ai pas tout lu. Oh putain, je l'ai pas vu. Oh putain, ça va être chiant. Attends. Ah, il faut pas que ça touche, ok. No, the ice core is going to be bitten. Ah, That's better. Qui va tellement exploser que... Non? Non. Non, c'est que ici. Ok, mais qu'est-ce que je fais avec le bouton 100? Est-ce que c'est vraiment un bouton?
I don't know, hein. Ok. On casse le jeu. Ah, on a la coupe. Petit deux. Jamais. Yes, enfin. Une noisette. Tiens. Oh, monsieur. Alors lui, je l'avais du coup, le casse-noisette. Ah, merci. Luckily, the key is too big. And there's no way to shrink it. I think. No! Hey. You need to open that folder. You've crossed the line. Don't launch the program. This wasn't planned. You were supposed to leave ages ago. Don't do that! No! Yes! What have you done, user? You've just launched a fake program from within a fake operating system. That's impossible. What's going to happen? No, I don't like this at all. Tu vas devoir bosser, mec. Serait-ce le vrai jeu? Namaste, user. This is the program speaking. I have some bad news. Actually, this is not a game. I hope you are not too disappointed. You can still watch a Bollywood film. Take a walk around the Ganges. Learn to dance. Such a cliché. Oh putain. What are you doing in my game? I mean my non-game. Un jeu dans un jeu. My game. I mean my non-game. Allez-y, battez-vous. Go away. You should not be here. But... User, do something, damn it! You have a funny accent. Are you Russian? Russian? Do I roll the R like that, sir? Of course not! What the fuck? Oulala, attention, hein! Typically Russian. I am not Russian! Oula! Idiot! D'un coup, you woke him up! Oh no! User, you need to quit the program! Fast! I'm begging you! Oh! Bonsoir, monsieur. Don't touch him, user. He's highly unstable. The only one who's unstable around here is you, Gabe. Mr. Glitch, I have nothing to do with this. Of course you do. You shouldn't even be here. Ne le pas le toucher, bien sûr qu'on fait. Don't fight over me, heroes. There will be enough crashes to go around. Okay, let's just all chill out. Maybe he will go away all by himself. Yeah, après avoir tout pété, quoi. Go on. Get out of here. Get out of here. I told you not to touch him, user. Oh 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 oh. Oula. Comrade user. On va faire toutes les langues. Not again. How do we get out of here? You are spy? Okay, this one truly has a Russian accent. Ah, you see? But you're still here? It seems to be so. Human you are. Show me papers. Only if you say please. There you are. I was looking for you. Stop following us. Il a l'air content, le glitch. With what? A debugging gun? We are all going to die. J'aime trop l'accent indien. Apprécie la bonne ambiance. Russe là.
Bonjour, user. Oh putain. Oh putain. I've got some bad news, peu cher. You are Fred Spy? De tous les mots, c'est le peu cher qui est sorti, quoi. Ah, par contre, ce jeu est terrible pour ma toux, hein. Parce que dès que je rigole, je tousse. Je vais mourir en live, en fait. Je suis désolé, ça doit pas être trop agréable pour vos petites oreilles de m'entendre tousser à volonté, mais... Putain, il y a quand même parti pris sud-est, hein, quand même, hein. Ce que peu cher, c'est le sud-est. Ah, c'est mes grands-parents qui disaient ça. Oh, peu cher, le pauvre, là. Maman, est-ce que tu dis peu cher? Oh! Il bouffe des croissants. On remarquera que... ils n'ont pas mis ces viennoiseries avec du chocolat dedans. Pour ne pas lancer un débat. On a bouffé tous les croissants. Konnichiwa. Mon dieu, j'ai l'impression d'être spoiled. It's a bad thing. En plus, il a pris bien l'accent français et tout pour bien pas. Oh là là, ils se sont fait plaisir, hein. Ils ont fumé, les devs qui ont fait ça. Hein. Oh putain, ça bouge trop là. Oh mais on décapite les chats, je suis pas d'accord, hein. Non, on fait bobo au chat. Au secours. Ah, mais il est en train de péter un plomb, le chat du milieu là. On va l'écran aussi d'ailleurs. C'est sûr que le tir à la carabine, ça. Bon alors, il nous manque le Brésil, le Portugal. Oh là là. Mais what the fuck? Ah. Au secours! Ah, on a terminé le chapitre 1. Il y a un bug dans le potage. What happened? I think I went to sleep for a minute. Where are we? User, are you here? Je suis là. Enfin, nous sommes là. If you're here, show me a sign. Oh, I'm not alone. Why on earth did you touch the bug? I warned you about it. Look where that got us. That got us somewhere. I don't know where. Oh, ok, on n'est pas dans ton jeu du coup. This place is very strange. What is it? Some kind of television? Maybe we should not touch it. Phantom progression for Stargate, ok. It looks like what? You plugged in the video input? Yeah. Oh, you just couldn't help yourself, could you? Whoa, that doesn't look very sturdy. Stop, user! Can't you see you're making things worse? Don't touch the cracks!
Bonsoir. Don't tell me you've broken another coffee cup, Watson. Watson? You called, Holmes? Holmes? Is it me, or is there an echo all of a sudden? Oh. Watson, did you hear that? Affirmative. There was nothing human about that scream. It seems to be coming from our dear neighbor Wilhelm's home. Let's go take a look, shall we? Est-ce que vous avez la ref? Exciting. J'ai pas expliqué la blague. What on earth is going on? C'était le cri de Willem. I think we're in a game. Oh goodness, we can stay here. Putain, mais il est allergique au jeu ou ça se passe comment? No. Oh, that can only mean one thing. We are trapped in this world, just like these fictional characters. A world where it's impossible to tell what's real and what's an illusion. User, we've probably entered a different video game dimension. Do something, anything. It's okay. What you do best. Très bien. Et du coup, si jamais il y en a qui ne connaissent pas le cri de Willem, c'est le cri qu'on a entendu et qui est souvent utilisé au cinéma, par exemple, pour faire les gens qui se font blesser ou qui... Ouais, c'est ça, hein. Ou qui se font attaquer ou autre, c'est souvent ce même bruitage qui est... Alors, je peux pas encore interagir avec ça. User, are you still there? Have you poked all around this screen? There may be a way out, perhaps. Watch out! I thought I saw a shard of glass. Don't cut yourself on it. Or tear anything off. Alors attendez, la loupe. Donc il faut trouver qu'est-ce qui va avec. Ah, là, hey, one of those icons in the foreground looks like it's spinning off. Je pense que ça va servir à défaire ça. Non. What have you done now? Did you take off one of the game's icons? Non. The one with the bent corner? And just what do you plan to do with that feast? Okay, user, don't touch anything else. You will end up breaking something fragile. Okay, d'accord. C'est le truc du jeu. Ah. When I asked you to find a way out, I was talking about this dimension. The room. There's something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. Characters, quiet. Mr. Wilhelm, open the door. It's your neighbor, Sherlock Holmes. It will never work, Holmes. What we need is a key. A key to open a door?
You disappoint me, my dear friend. Be more creative. Make more daring associations. And think in four dimensions. You mean like you're doing now? Don't make a sound, user. Not a sound. Attends, on a la lune. What was that sound? A lost penny. It's my lucky day. Your lucky evening, my friend. What the fuck? Ah, okay. Another penny. I'm going to be rich. You'll finally be able to pay your share of the rent. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je sais pas, est-ce qu'il faut... J'ai envie de récupérer la pièce, mais... L'œil, la bouche. Et sinon, on a la pièce, la loupe, parce qu'on a une pièce. Non, il n'y a pas de truc. Ok, donc il faut continuer à faire du bruit. Another? There must be a leak. I hope you're not speaking of yourself, my dear friend. I'm getting a feeling of déjà vu. Déjà vu. Ah, ça vient quand même, putain, je voulais tester un truc. Leave that coin on the folded inventory paper. Ok, mais j'en fais quoi? C'est incroyable, je vais devenir... Je vais devenir zinzin. Mais je veux bien. Oui, mais j'ai plus comment, moi, pour choper la loupe. Mais en coupant, mais... J'arrive pas. Un autre bout de verre. Ouais, je peux pas l'enlever. I'm getting a feeling of déjà vu. Je vois pas en quoi ça fait que quelque chose qui soit corné ou pas. Ah. Ok, d'accord. Holmes, I have the impression that there is whispering going on around us. A sort of voice with a Russian accent. Ah. There,
Did you hear it? The only thing I heard is the gentle rustling of the wind. With a Russian accent. Il y a je ne sais pas combien de murs qui sont pétés avec ce jeu. And what are you going to do now with that coin? And there we go. Let's just tear everything down. And what are you going to do with that stamp anyway? Put it on an email? You certainly have a thing for tinkering. That's not a good idea, user. No! Where are the monitor circuits? It looks like the set of the game, but seen from the other side. User, you're really irritating! Aha! My Bartitsu techniques have gotten the better of this door. Come, Watson, let's go inside. Don't go with them! Pourquoi pas? Je pense qu'on n'a pas encore la réponse pour ça. Qu'est-ce qu'on a? Mr. Wilhelm, are you there? It's far too dark in here. I can't be expected to walk around in the dark, Sherlock. So try to find us some light, Watson. Oopsie. These characters are trapped in the dark. We're lucky. Let's cross our fingers and hope that they can't find the light. Gretchen, let's cross our fingers. It's broken. I was worried you would move this moon. Thankfully, there's no chance of that happening. At least, not as long as the device that's attached to this wire doesn't work. I get the feeling that sometimes I should just keep my mouth shut. Le mécanisme. Et je fais ça, est-ce que ça bouge? Non. J'ai pas trop lu ce qu'il a dit. Pas tant que le mécanisme n'est pas relié au câble, je crois, un truc comme ça. Oh, that's disgusting. Oh. Fixing a machine with a stamp. How logical. Just in case, I hope it's not connected to a light source. No, 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 no. Where is the fake moon going? I hope it's not... Alors. Oh! I knew it! Well done, Watson. We can finally see better. I get the feeling that Mr. Wilhelm is redecorating. I don't recall him having a view of the moon. This place scares the living daylights out of me. Mr. Wilhelm, are you dead? Holmes, he's floating. Watson, what has he got on his face? Mr. Glitch, oh no. It looks like some sort of relatively thick monochromatic parasite. Tout à fait. And c'est pas faux. Serious? Mais attends, dans l'histoire, là, c'est Watson qui est intelligent et Sherlock Holmes, c'est juste con. I, for one, would rather keep my distance from that thing. Ouais, il y en a un qui a un peu plus de... Et qui a un peu plus de... Oula, mais... On a... C'est le monde à l'envers, non? Poor soul. Ah. It looks painful.
Don't touch that! That machine doesn't look like it's plugged in anyways. Ah, c'est le téléphone. On a branché le téléphone. What was that sound like a ringing bell? I think it came from this odd device. Ah, il connaît pas le téléphone? Oh, yes, Mr. Wilhelm told me about it. It's a prototype of Antonio Mucci's teletrophone. It allows you to communicate with another person from a distance instantly. I say, and how many of them exist? This is the only one of its kind. So it's useless. It's useless. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Stop playing around with everything you come across. Somebody will notice us. Anyway, it's just pixel porridge. And I don't have a magnifying glass on me. Et donc il va falloir choper la loupe à un moment donné. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. On a chopé. Ah, on avait fait le. You've lost an eye. I'm going to be sick. No, I can't. I'm a program. Ok, on a chopé un œil. Oh merde, j'ai pas. If you're oh thinking about moving that fake wall, okay, forget about it. The marks on the ground show that a piece of rail is missing. Or a letter of the alphabet. Le H. Money is on a piece of rail. Il nous faut un H. Fuses have blown. Well, then find a way to fix it, my good man. I haven't finished my investigation. Oh, il y a le truc derrière pour la bouche. Où c'est qu'on va choper le H? Attendez, je voulais juste voir. How dare you steal from Mr. Wilhelm's scream? Put the back. No. You have no business with this letter H. Wait, did you just use a letter from an anonymous? Oui. But that doesn't make any sense. You might as well use, I don't know, a monkey to work a hydraulic pump. It's dumb.
what really gets me is that it works. Et ça fonctionne. Oh yes. Oula. Oh, ça va être dégueulasse, ça. Hey, a big red ball, like a juicy cherry. Ok. Ok. Je sais pas trop quelle couleur on veut pour l'instant. Et je fais ça. You just swiped their mining fine glass. The feast wasn't enough for you. Bah non. I just hope they won't figure it out. Developers only. One more rule you're going to be able to break. Mm-hmm. Bah oui. C'est quoi? Oh! Did the game crash? Ça, je m'en souvenais. Ah, I think I know where we are. It's a dictionary. This is where all the things that are used in the game are stored. Oh god. A kind of hidden library. Très bien. Only the developers can access this section. Hence the secure hatch, I suppose. Oh, il faut la bouche pour bouffer la... Bouffer la glace? Oh, il y a les dents, il y a une faux. Ah, à chaque fois je clique. Moi j'ai une question. On peut pas y aller là. Donc faut trouver un autre endroit pour avoir accès à lui, à la bouche. I told you I had my magnifying glass in my hand, Watson, and it suddenly disappeared. There you go. They figured it out. That voice. It's the ghost, Holmes. The Russian ghost. But I'm not Russian. Mr. Wilhelm, you never told us you were such a talented ventriloquist. He's not the one speaking. I am. My name is Game. I'm a computer program. I'm with a user. Okay. Human, and we're trying everything we can to get home. Do you know how we can exit your game? Game? What game? Mais oui. Ils n'ont pas conscience. Your game. You are aware that the world you're in isn't real, don't you? You don't know that you're in a video game, is that it? I'd rather look for my magnifying glass than continue listening to your mad jabbering, Mr. Ok, lui est dans le déni. He's not the one. User, I think we are going to need Mr. Glitch's help. If he brought us into this dimension, he will probably be able to get us out of here. What's a video game? There's got to be a way to get it off. Maybe some kind of ritual. Unless, of course, you've got the number for the fire department. Nice zoom in, user. I knew that mining fine glass was a good idea. Well, this telephone chair is strange. It's like a mist puzzle.
Oh, il a fait une référence au jeu Myst. Incroyable. Myst, j'ai trop envie d'y jouer. Ça va être la foire à la saucisse au niveau backseat. Mais d'un autre côté, on peut pas. C'est un jeu que tu peux pas faire sans backseat ou sans Solus. Genre là, déjà, si on en chie là pour There Is No Game, Myst, c'est infaisable. Mais l'univers est beaucoup trop cool. Alors, les premiers jeux sont très moches maintenant. Ils ont très très mal vieilli. Mais il y en a là. Franchement, c'était. Il était trop trop beau. Alors, phone call. 555-2368. On a dit. Who are you going to call with this thing? We don't know anyone here. 5. And he said it's the only one 5. Of its kind. 5, j'ai dit 23, c'est ça, 68. 68 ou 66? It works. There's a connection. That's strange. The teletrophone is making that odd noise again. Someone seems to be trying to communicate with us. It's the video ghost Holmes. Come on, Watson, pull yourself together. Attends. It's probably Mr. Mucci who made a second one and is testing it. Mr. Sherlock Holmes speaking. A disenchantment ritual? You'll have to find another dupe, madam. Goodbye. Was it a video game? No, a telephone scam. User, this Sherlock Holmes fellow is not very cooperative. Pourquoi pas, tiens. Where is that magnifying glass? I'm going to find it eventually. Luckily, we've got light. Ok. Vous luttez bien. You again? Please stop calling here and playing with the light. That Watson gentleman needs to pick up the phone instead. Donc là, c'est la troisième fois. I'm warning you, I'll call Scotland Yard. Well, as soon as they get a telephone. Non, ouais, lui dis pas alors. I'll find my magnifying glass while there's still light. Harceler Sherlock au télétrophone. You just plunged offerings in darkness, user. That's not very nice. Mind you, nothing you do even surprises me anymore. It's dark again over in this corner. I say, there's a bit of light over by the entrance. I may have lost my magnifying glass here. Well done, user. That character isn't by the communication device anymore. Mais le problème, c'est que je vois pas trop. Qu'est-ce que...
Est-ce qu'il faut que je passe la glace, le deuxième cornet de glace? Non. Après, là, il y a rouge, bleu, vert. Est-ce que c'est lié à la couleur de la bouboule? Alors, ça, j'ai encore un cliqué à côté. Je me souviens que j'étais plus ou moins coincé ici la dernière fois que j'ai joué. Tout derrière. Donc lui, on l'a sorti du truc. Mais je pense que si on fait ça, il va se re-rapprocher du téléphone, non? Good. We might finally be able to use this telephone in peace. Watson. Holmes, the Russian video game is speaking to me. Pick up the phone, damn it! Very well. Merci. Je croyais qu'il allait pas le faire. Are you a video game too? Yes. Three steps for a successful disenchantment. I'm listening. Ah, that's what we're interested in. There must be a full moon. Pleine lune, ok. Mais si, mais si. On a vu le truc avec la balle. D'un peu de neige. Cerise sur le gâteau. On est screwed. Non. On n'est pas foutu. These cans of paint make me think of the three primary colors: red, blue, and yellow. Except we're inside a cathode ray screen with a video signal, which is a mix of red, blue, and green. Without a paintbrush, there's no point, anyways. Ah, une voix en pinceau. Why am I talking about mixing colors? Pas de pinceau ici. Oui. Maybe it can be used as snow. After all, it's just water in a solid state. But how can we get it? At any rate, that ice cream sure looks delicious. Donc, on a la glace.
ici. Au moins, il faut peindre la lune pour faire genre. On est en pleine lune. Oh, attendez. And the award for Unscrewer of the Year goes to the user. I voted for you. Non, je me souviens. Oh, Yerk. C'est ça le pinceau. Me dis pas que c'est pas ça le. Me dis pas que c'est ça le pinceau. Ça va être dégueulasse. Oh, au secours. Oh, dégueulasse. What a fantastic full moon. Uh-huh. I hope the game won't get wise to us. Donc, on a la lune. On a. Oupsi. On a. La grosse cerise. Maintenant, il nous faut la fucking glace. Well done, champ. All that's left is the cone. How can we fill it up with snow again? All we've got on hand is a game and a TV. Oui, hein. Une télé. Comment je fais pour bugger la... faire bugger la télé? Je fais parce qu'on avait on avait la neige justement sur la télé à un moment. Bah je sais plus. Je vais taper dessus. Regarde. Normalement, j'avais toqué sur la télé juste. Parce que pour moi, il faut prendre le truc noir et blanc de la neige, mais. Non, je me souviens plus. C'est ça qu'il faut continuer à faire. On voit pas le yep. Je sais plus, hein. Passer à tabac, un pauvre innocent, au secours. J'en sais rien, moi je connais pas les télécathodiques. C'est en bougeant l'antenne. Mais il n'y a pas d'antenne.
Faut changer les fréquences. Ah oui, putain. Okay. No. No. I'm impressed, user. Let's hope that this snow will do the trick. Merci. Eh bien, j'avais complètement oublié. There you go. Sorry, Mr. Wilhelm. It's for your own good. I think. Okay, we have all the ingredients. Et on n'était jamais arrivé jusque-là, du coup. Qu'est-ce qui se passe? C'est le glitch. Oh wow. Watson, Mr. Wilhelm just exploded like a beached whale. Perhaps he was allergic to cherries. Oh, but what the fuck? I'm finally free of that ridiculous pride. This trip has been more difficult than imagined. Mr. Glitch! Game, you again? Did you follow me? We were transported here by accident. We? No, it can't be true. You brought the user with you. Mm-hmm. You're such a pain in the neck. And you wonder why she left you. Oh. Let you speak of her! Anyways, I have to go. This isn't the dimension I was aiming for. So, good game. No! We have to follow him! But this painting just blocked the way! And I feel like it's backwards. Are you talking about your trousers, my good man? How are we going to get past it? Oh! Do not touch this piece of bug, user. Now the painting is the right way round. At least I think so. The passage is open again. Come, Holmes. Let's follow the rainbow ghost. Come, Watson. It's probably just a large flying insect. So, if I understand right, some things seem to be affected by this bug fragment. It's like it reverses them or something. Who cares? Let's follow them. Where is the exit? I can feel it here. Take us home. But why, game? You're not happy here with your new NPCs? NPC? Oh, they don't know that. Sorry, I meant new friends. Watson, stop conversing with this beast. You're making me uneasy. Their AI doesn't seem too great. Where are you trying to go, Mr. Glitch? To a place where I will be able to unleash my evil plan. What plan? The one that will let me. What? What did he say? A copy protection system right in the middle of a game? How barbaric! Explanation of his evil plan. Oh. Let's find the numbers we need fast, user. Ah. I wonder if it's related to that strange disc on the monitor. Et c'est la canne et le truc. Ah ok, donc on peut avoir que un 5, un 2, un 3, un 4. I doubt it was effective. Donc. On the other hand, it must have been good for the photocopier market. Okay.
That's weird. The disc has numbers that cannot be entered. Donc, c'est soit crâne, revolver, soit bombe, plume. Attends, il y a trop de trucs là. If only the system had asked us for other symbols. Ok, donc ciseaux, truc. Ah oui, c'est flamme. Alors attends. Non, parce que c'est pour que ce soit dans le bon ordre. Je pense que c'est d'abord le crâne, puis après le flingue. Donc. On peut trouver un truc où c'est l'horloge. Horloge, bombe, couteau, livre, loupe. Ah non, c'est bon. On va voir. On a dit que c'était le rouge 3, vert 1, truc 5. Ok. Evil plan, isn't it? Could you say that again? We got cut off. No. There, I just saw the exit, which means this is where we say goodbye. Farewell, game. Enjoy your new cardboard home. Ah, c'était sûr. Farewell, Rainbow Butterfly. He disappeared into the ground. How will we be able to follow him? Let's have a look around this street scenery. Oh! Oops. Where? The ground isn't there anymore. Ça pue là. But where did the characters go? Quel plan? Ah oui. Du glitch. Oh non! Pour lui, il va virer comme Mewtwo. Darn it, we can't leave them there like that. Let's try to get them to safety quickly before leaving. Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas moi. Il est bugué ici. Je vois pas trop. This manhole cover doesn't want to move. At least not from this side. Ouais, je suis con, oui. C'est vrai que j'ai pas testé de ce côté-là. Pas de ce côté, mais on y est là.
Il y a un autre côté encore. Pourquoi il y a un autre côté encore? What the fuck? C'est dur quand même, hein. On peut y aller en dessous. Ah si, là, putain. Just opened the passage for you. Go ahead, Mr. Holmes. Jump! There's something for you to land in on the other side. Jump! Hold on, Watson. We're going to swing over to the hole. 3, 2, 1. Well done, Holmes. What an extraordinary leap. This bathtub just saved our lives. I didn't see much because of the screen interference, but the jump animation must have been amazing. Okay, user. Now that they're safe, we can leave. Goodbye, gentlemen. We apologize for the inconvenience. Let's go. Tu les abandonnes quand même dans une zone un peu chelou, hein. On a ruiné leur vie, on a remis en question toute leur existence. Oh. Ils ont un problème avec les écureuils, hein. Legends of the Secret. Legend of the Secret. Ah, this still isn't our dimension. Oh là là, je me demande à quel jeu ils font référence. Is that a start button? Il vient de dire de pas y toucher. Mais écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Moi, ça fait une petite session, mais exceptionnellement, je bosse demain, donc je remplace une collègue demain, donc voilà, on va pas trop tirer dessus. J'espère que le jeu vous a plu. Moi, j'aime bien, même si des fois, du coup, c'est vrai que c'est pas forcément trop évident à stream ce genre de jeu, vu que c'est pas smooth, quoi. Enfin, c'est pas pareil quand tu galères sur un jeu où il y a des combats que là sur un jeu où c'est des énigmes, quoi. Ah bah super, il sera pas prêt pour demain celui-là. mais sinon, ouais, j'espère que ça vous a bien plu. J'aime beaucoup le principe du jeu de... Voilà, on est avec un programme qui a conscience qu'il y a un jeu et tout, qu'il y a des jeux dans des jeux, qui ne veut pas justement qu'on joue à son jeu. Et du coup, ça fout la merde, hein. Vu que nous, on enfonce toutes les portes, voilà. Et avec ce petit humour cinglant qu'il a, enfin cette manière de nous parler là, il est fort agréable, hein. Donc voilà. Donc c'était cool. J'avais oublié pas mal de choses. Si je me souvenais de la partie avec les deux personnages, enfin de la partie jusqu'à un moment rencontrer deux personnages, j'avais complètement oublié que c'était Sherlock et Watson. Et mais je me souvenais que ouais, il y avait des enquêtes avec lui. Là maintenant, je suis complètement en terrain inconnu. Donc en vrai, j'ai hâte de voir la suite. Donc ça sera le jeu du lundi soir. Pour l'instant, je ne sais pas du tout s'il est long ou pas. Enfin, combien il y a de chapitres en tout et tout. J'irai pas regarder combien il y en a, parce qu'en général, dans les succès, ça spoil les titres et tout. Enfin, je me suis fait avoir une fois, pas deux.
Voilà. Sinon, ben demain soir, donc normalement, si tout va bien, JDR, on reprend après une petite pause là pour les fêtes, on reprend notre aventure en Terre de Fang avec Lysfendry, le Felsen, Klaus et notre MJ préféré. Voilà. Normalement, on se rend chez les elfes demain, et, si je dis pas de bêtises. Mercredi, on va voir. Donc, normalement, c'était mercredi créatif où on faisait du Hollow Knight. Mais en fonction, on va voir en fonction du monde qu'il y a. Peut-être réfléchir aussi à nos petites, à notre petite, à nos petites émotes, voilà, et à nos petits badges de chaîne. Donc voilà. Pour en profiter de faire ça en live, quoi. Ça peut être sympa. Ou au moins un brainstorming. Et après, j'essaierai de prendre le temps ce week-end ou autre. Mais. Ouh, pardon. Mais voilà. Après, sinon. Vendredi soir, on commence encore un nouveau jeu. Qu'on fera le vendredi soir et le samedi. Alors, faudra peut-être que je change. Je streamerai peut-être plus le samedi matin parce que prévu de reprendre un peu le sport avec le sport. Je veux dire avec Etiku, mais il y en a qui vont mal interpréter la chose. Et donc ça se ferait le samedi matin. Donc à voir. Je sais pas trop encore si je me positionne plus en stream le samedi après-midi ou le samedi soir. À voir. Donc là, on commencera la série Sherlock Holmes, justement. Voilà, c'est pas fait exprès en plus, hein, le fait que j'ai choisi Sherlock Holmes. Petit clin d'œil, là, voilà, ça, c'était une petite mise en bouche aujourd'hui pour vendredi, samedi. Et après, du coup, bah, le dimanche, on reprendra du coup Hollow Knight, voilà. Où là, l'objectif pour ce mois de janvier, c'est d'essayer de tryhard les deux Pantillons qui nous restent. Voilà, pour finir, pour faire les 112% du jeu. Voilà. Voilà pour le programme de la semaine, de janvier même, de manière un peu générale. Et voilà, voilà. Alors, alors, attendez. Est-ce que là... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est là. Ok, c'est pas plus mal là. Comme ça, j'ai tout. Alors, hop, si je fais ça. Nice. Bah écoutez, voilà, petit live reprise. Ouais, donc à peu près 2 heures de live. Un peu plus petit que le reste du temps. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup à tous. Là, bon, il y en a beaucoup qui sont partis, mais franchement, merci à tout le monde là d'être passé en début de live et tout, d'avoir lâché le bonjour de beaucoup là, d'avoir lâché les subs, c'est incroyable. Hein. Une petite pluie de subs là pour commencer le premier live de l'année. Voilà, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux en vrai. Donc, je nommais une. D'amour, donc ouais, c'était cool comme live, voilà, beaucoup d'émotions. Tu as 7,7 heures de non-jeu, sachant qu'il y a mon temps aussi, et sachant que moi j'ai dû faire 3 heures, je crois, non, parce que de mémoire, j'avais dû faire que 3 sessions, et je sais qu'on le faisait sur ta pause de midi après avoir mangé. Donc on avait une petite heure à chaque fois pour le faire. Quand j'avais commencé. Donc ouais, je pense que j'ai avancé un peu plus vite que les autres fois, que la première fois où j'avais commencé. Après voilà, c'était des choses que j'avais déjà fait, donc peut-être qu'inconsciemment, voilà, je m'en suis souvenue. Mais ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier petit live pardon, de l'année. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit aussi sûrement. Bon courage pour demain, pour la semaine. Certains, je sais qu'ils reprennent demain, donc bon courage, fighting.
avec le froid glacial qui s'abat sur nous. Restez bien au chaud sous la couette. Et je vous dis du coup à demain pour un petit JDR, pour continuer le JDR avec Kitiko, Kiri et Miri. Allez, des bisous tout le monde.